Moi c'est Saint-Louis Méda. Moi c'est un policier Simo et 25e promotion agent D. Je dis à moi trouver moi dans Benameuse. Côté que moi gagne petite moi premier petite moi qui gagne 13 ans qui gagne un tumeur dans pied. Nous pas joindre aucune solution dit tout pour lui. Dans tout l'hôpital Malé, il pas jamais voulu recevoir. Grâce à général Nomil Rameau, directeur général PNH là, jeudi à moi j'ai une chance et pour Benameuse recevoir lui pour moi. Et moi dis Igena sa merci docteur Bita qui est responsable l'hôpital la merci tout pour accueil li bay chaque grain policier. Li gen environ 8 mois. Depuis que m'a suivi l'hôpital avec même pas de jambe une solution. C'était une situation qui était vraiment difficile. Moi pas ouais, si vous montez, si vous me descendez. Longtemps les policiers étaient gen un malaise. C'était l'idée là pour contre lui. Mais grâce à directeur PNH actuel nous gen là, il prend responsabilité chaque grain policier. Moi-même moi j'étais une victime, moi j'étais là pour comme. Mais DGA il campé avec moi, il bonne force. Il prend charge à sous doule. Moi voulais chaque grain policier en général sorti sous 30e promotion pour arriver dans directeur PNH là. Moi voulais nous pour nous créer une sorte de harmonie avec chef, nous faire chef nous confiance. Même Jean je dis à la c'est joue pas, c'est moi même qui gagne problème. Directeur général a encadré ni tout au état-major. Notre nom police de combat, c'est vous-même qui l'avez l'hôpital pour monter pour tout. Mais je ne veux dire même deux commissaires ensemble avec moi. Ça vient de plus force toujours. Moi dis au commandement merci pour support la bombe et pour support de continuer bombe tout. Merci beaucoup. Vous connaissez que l'actuelle administration ça et directeur général de la police là, M. Nomil Rameau, depuis dans premier mois. Trois premiers mois d'administration, il y a un ensemble de mesures et que il a adopté pour viser renforcer les besoins policiers, renforcer les moyens qui peuvent répondre à attente à besoins policiers. Nous connaissons les policiers, ils ont un ensemble d'handicaps que ont été victimes dans le cadre d'exercice fonction. Et les malades et ils ont des difficultés avec le système d'assurance qui n'est pas trop performant et que ont gagné. Et qu'on y a là, nous sommes dans le plus haut niveau de l'État. Et directeur a pour ces démarches et qui permettent que vous trouviez un pack avec un meilleur hôpital en place là, qui c'est Benameuse, et qui pour capable répondre non seulement à handicap ou bien à cas de blessures ou bien à cas d'urgence que les policiers a personnellement lui-même été victime, mais aussi lié autant assurance à tout by famille. Et c'est dans cas ça ou après policier 25e promotion ça et qui a une petite fille de 13 ans et qui souffrit d'une tumeur dans le pied. Nous avons expliqué tout à l'heure combien tout l'hôpital qu'il passait, il n'était pas capable de trouver une solution. Alors, une fois que le rapport a été adressé à chef direct a envoyé le rapport là vers la hiérarchie, et c'est comme ça que le directeur général a été informé de ça, et il a demandé les services médicaux personnellement, et moi-même, pour venir représenter, à accompagner les policiers pour permettre que le suivi soit capable de faire dans les meilleures conditions. Et c'est ça qui nous là et c'est à ça que nous répondons aujourd'hui. Mm. Ça qui fait tomber pour vous, d'abord nous parler de pacte qui est signé avec l'hôpital Benameuse. Et côté système d'assurance là, après beaucoup plus performant et que les policiers sont capables de joindre soin. Et non seulement eux-mêmes ils ont besoin de soins, mais parents, dépendants, et capable de joindre soins. Mais c'est seulement pour nous dire c'est dans les cas d'urgence. Et les policiers avec quatre personnes qui dépendent de lui. Quatre personnes, ça, c'est lui-même qui a décidé. Il y a ses mamans, il y a ses papas, il y a ses petites, il y a ses madames. Mais il n'y a pas accès à plus que quatre personnes après lui-même. Et c'est lui-même qui a décidé qui quatre personnes ça a eu. Mais pas oublier, nous, c'est pour les soins d'urgence. Parce que le système. Et l'hôpital au Fatma est toujours de mise pour répondre à cas qui moins urgents, mais à cas qui plus urgents. Donc, il y a un moyen pour ça dans Benameuse pour répondre à ce genre de situation. Mais il y a un bagage qui est important que je souhaitais souligner, c'est que des fois, les policiers n'ont pas épuisé voie de recours. Ça veut dire qu'ils n'ont pas porté plainte vers chef direct
et pour chef direct yo fait suivi avec hiérarchie avec commandement la police là et c'est ça qui fait des fois que yo kon a gen des manquements gen des bagages que yo manqué yo pas suivre cours yo ouais yo plutôt préféré à plein mais heureusement policier Simo ça lui-même il était fait suivi à Jean le doit faire li plainte là al joindre chef directly et chef directly voyez plainte là dans hiérarchie et hiérarchie a réagi ou après c'est toute structure en dans chaîne commandement qui là ou après service médico ali là comme service qui occupe directement des gens des situations ça yo donc l'autre structure en dans la police là yo là nous accompagner yo et nous rencontrer avec personnel médical là tout pour suivi t'es capable faire dans cabale là alors il y a l'autre monde qui bénéficie déjà mais pour cas urgence ça yo c'est parmi les premiers cas que n'a traité pour finir donc administration la police là directeur général la police là que c'est dans système de salaire que policier va recevoir qui c'est en pitance jusqu'à présent que c'est dans niveau ti 4 que policier va recevoir 4 de débit directeur général là pas agi sous lui et très bientôt a bien des réponses satisfaisantes qu'a privé et n'a annoncé et là ça toute policier a capable bénéficier donc directeur général là il agit sur tout ça qui est capable de rendre vie professionnelle policière et vie privée beaucoup plus performante. Et li, c'est pour ça qu'il a créé plusieurs services, dont direction de bien-être, qu'il a créé, ouais, capable de concourir à tout ça qui est capable de permettre aux policiers d'atteindre bien-être. Li. Donc, nous continuons de travailler, le directeur entend aller dans la ligne ça, jusqu'à ce que les policiers soient dignes de nom ça, tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Li.